Hey, bonjour à tous, c'est l'Hologramme TV. Je vais vous présenter My Friend Pedro. C'est un jeu de type run and gun développé par Dead Test Entertainment et publié par Devolver Digital. Le jeu est prévu pour être diffusé sur PC Microsoft Windows et sur Nintendo Switch le 20 juin 2019. Allez, on va faire une petite game. C'est parti. Bon, on y est, menu principal. Alors, nouvelle partie, choix du niveau option, crédit, quitter le jeu. Alors, on joue à la manette, on va jouer clavier souris. Les vidéos, qualité, on va mettre en haute. Allez, les options sont réglées, tout est réglé. On part sur une nouvelle partie, c'est parti. Alors normal, juste ce qu'il faut de difficulté, la santé se régénère partiellement, les ennemis ont un temps de réaction normal. Difficile, un défi plus relevé, la santé se régénère partiellement, les ennemis infligent plus de dégâts, les ennemis sont plus précis, réagissent plus vite. Complètement banane, mieux vaut avoir de bons réflexes, la santé ne se régénère pas. Pas d'assistance automatique à l'esquive, les ennemis infligent d'importants dégâts, les ennemis réagissent très rapidement et ratent rarement. On va pas faire le fou, on va rester en normal, c'est juste pour la découverte du jeu. Allez, c'est parti. Hey! Réveille-toi! Il fait beau dehors. Salut. Eh, hey, tu calmes. C'est moi, Pedro, ton ami. T'étais dans les pommes. Ok, une banane qui te parle et que t'étais dans les pommes. C'est cool. Ça va mieux? Combien j'ai de doigts? Bon, oublie. Partons d'ici. Où que nous soyons. Regardez autour. Ah, d'accord. Se déplacer. Avec plus recul. Ah. Ah, il y a quand même l'animation du carton. Pas extraordinaire au niveau de la physique. Ah, regarde. Tente un salto mural vers le prochain étage. Attends, faut que je le refasse. D'accord. Quel irresponsable. Un crétin a laissé traîner son pistolet. N'importe quel fou pourrait le ramasser et s'en servir pour faire n'importe quoi. Et lui, le pistolet. Bon, c'est parti. C'est Mitch le boucher. Son établissement sert de couverture à son trafic d'armes. Ah ah, monsieur est un trafiquant d'armes. La viande est principalement constituée de rats, de pigeons ou de gens dont la tête lui revenait pas.
J'imagine que ça explique ce qu'on fait là. Salut patron. C'est plutôt calme ce soir. Ne m'interromps pas en plein travail, crétin. La cargaison est prête. Presque. Bande de feignasses. Je vais leur apprendre à tirer au flanc. Va me chercher le tas de bidoches en train de moisir au sous-sol. Viens vers nous. Tu vas devoir l'éliminer. Prêt? Ouais. J'imagine qu'il va falloir tuer tous les autres maintenant. Donc on a des munitions infinies. Je disais on a des munitions infinies et ça c'est cool. Tu t'hydrates comme il faut. Tu m'as l'air un peu pâle. Viens, je t'amène dans mon repère. On va te remettre sur pied. Pardon. Oula. C'est là que je suis quand tu me vois pas. J'ai quelque chose à te montrer, bouge pas. Allez, beau gosse. Classe, non? Quand tu actives la concentration, c'est comme si le temps ralentissait. Max Payne, quoi. Et quand la concentration est activée, tu peux réaliser des vrilles en l'air. Essaie. Ok, passe toi sur le marqueur. On passe aux choses sérieuses. Maintenant, exécute une vidéo complète au ralenti tout en tirant sur le vase estimable hérité de ma mère. Tu peux séparer ta visée. Ah, okay. Tire sur ces deux vases, c'est pas ta visée. Ah, ok, tac tac. Les vraies machines de guerre. Bon, on était où? Ok, très bien. Allez, on continue. T'es sûr de toi? T'inquiète, cette tourelle s'installe presque toute seule. Ah.
D'accord. C'est assez bizarre comme prise en main. Après, il est pas mal hein, finalement. Ça reste un jeu assez marrant et brut à la fois quoi. Donc c'est marrant. C'est bien ce que je pensais. On est dans la vieille ville. Mitch fait la loi ici. C'est comme une maison de retraite pour truands seniors sans plan de retraite. Ok. Putain, je recharge à chaque fois, je pense pas recharger comme un teubé. Ça c'est le gros problème du jeu par contre. Ok, mais c'est un jeu pas mal guidé par une banane. Allez, je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. We'll be right back.